Alors, au début de 1957, vous commandez la 10e division de parachutistes et vous êtes chargé de maintenir l'ordre. Est-ce que ça n'est pas finalement une mission plus policière que militaire qu'on vous confie à ce moment-là? D'abord, je ne suis pas chargé de maintenir l'ordre, je suis chargé d'essayer de le rétablir. Car l'ordre était profondément troublé par une vague de terrorisme FLN qui allait en s'accroissant depuis la Toussaint 54 et qui avait pris une forme vraiment très inquiétante à Alger même en fin 56, puisque quand j'interviens, on en est, je crois, à Alger, à la 65e ou 66e explosion de bombes, l'arme essentielle du terrorisme. Alors vous me demandez ensuite pourquoi... Est-ce que c'est un travail de policier qu'on vous a confié? Eh bien, dans la guerre moderne, dans la guerre révolutionnaire, quand l'adversaire, ce qui était le cas, emploie le terrorisme comme mode d'action essentiel, les forces dites de rétablissement de l'ordre sont obligées d'employer des procédés qui ne sont pas des procédés classique des guerres conventionnelles. Est-ce que ça veut dire que dans la bataille d'Alger, vous avez transgressé les lois? Au début, oui, au début, je n'étais pas dans le... Je ne disposais pas de l'armature juridique nécessaire pour traiter un problème complexe dans une situation qui n'était pas dite une situation de guerre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était ce problème complexe? Ce problème complexe, ça consistait... à mener une action en profondeur telle que je puisse déceler quels étaient les auteurs des agressions essentielles, de celles qui provoquaient tellement de drames sur Alger, à savoir les explosions des bombes à gauche et à droite qui provoquaient d'atroces blessures et qui faisaient énormément de mal, n'est-ce pas, qui provoquaient beaucoup de morts et beaucoup de blessures. Il fallait absolument les arrêter, ces attentats. C'était pas tolérable. La population d'Alger était arrivée un niveau d'anxiété dont personne ne peut avoir une idée aujourd'hui. Votre problème essentiel, si je comprends bien, c'est de trouver des renseignements, de savoir qui pose des bombes et comment est organisé le FLN. Alors pour trouver ces renseignements, vous avez donc deux moyens, vous me le dites, la perquisition et l'assignation à résidence. Comment est-ce que ça marche en pratique? Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la ville d'Alger avait été quadrillée par mes soins, c'est-à-dire que j'avais surimplanté mes régiments au dispositif préexistant, parce qu'il y avait quand même déjà un dispositif, évidemment, avant que j'arrive. Et chaque régiment avait une certaine fraction de la ville à connaître à fond, à épurer, si je peux dire, des mauvais éléments qui y préparaient ces atroces attentats. Et par conséquent, dans sa zone déterminée, chaque régiment divisait le travail entre ses compagnies. Chaque compagnie avait donc un morceau de la ville d'Alger dont elle devait tout connaître, hein, et en particulier connaître les filières de l'organisation politico-administrative du FLN qui soutenait l'action finale des tueurs, qui était mon objectif principal, des poseurs ou des poseuses de bombes. C'est par conséquent en recherchant du renseignement à travers l'arrestation des suspects, soit par renseignement obtenu de la police au début, à travers la connaissance de ces fichiers, soit par capture faite par les patrouilles de l'action en surface, qu'étaient provoquées ainsi des perquisitions à domicile, qui permettaient souvent de découvrir des armes, et alors à ce moment-là, aussitôt, interrogatoire de l'individu suspect ramené au PC de la compagnie, ou bien le gars parlait tout de suite, rapidement, alors on exploitait ces indications, et souvent c'était le cas quand le capitaine était astucieux, l'interrogatoire était très rapidement emmené. Si le suspect ne parlait pas? Alors si le suspect ne parlait pas, mais les officiers qui en avaient qui s'en sentaient le courage et qui en avaient la volonté étaient autorisés à utiliser des méthodes de force, en particulier les génératrices de postes radio qui, au moyen d'électrodes appliquées sur le cœur, provoquent quelques chocs qui quand même sensibilisent les individus et les amènent souvent à être plus bavards. Vous étiez le commandant de la 10e division de parachutistes. Est-ce que vous avez autorisé cette torture des suspects qu'on arrêtait pour leur arracher les renseignements? Oui, j'ai autorisé, je comprends. Elle était pratiquée d'ailleurs avant que les régiments ne se réunissent sous ma houlette. Elle était pratiquée dans leur action antérieure, dans le bled, aux ordres des autorités territoriales. La nouveauté, c'est que moi, ça ne me paraissait pas
pas très honnête, laissait faire en ayant l'air de ne pas savoir, voyez-vous. Alors j'ai dit officiellement que je reconnaissais l'existence de la méthode et que je la prenais sous ma responsabilité. Vous avez donné des ordres dans ce sens? Non, je n'ai pas donné d'ordre. La torture, comme vous l'appelez, quoique je conteste le mot. Comment l'appelez-vous? Moi, je l'appelle la question par force, hein, parfois nécessaire, mais pour moi, la torture, c'est celle que le FLN a infligée à ses compatriotes, car moi, je n'ai jamais coupé les nez aux fumeurs, je ne me suis jamais livré à des mutilations comme le FLN s'est cru autorisé à le faire sur ses propres compatriotes, voyez-vous. Non, mais vous avez employé la question par force, oui, pour reprendre votre expression, comme arme de combat. C'est ça, exactement. Je crois que c'est la première fois que ça a été fait dans l'armée française. Non, ce n'est pas la première fois. Je vous répète, quand j'explique dans mon livre d'ailleurs que ce sont des méthodes qui ont été apprises à mes subordonnés en Indochine même, dans certaines circonstances que je relate. Elles ont été également employées entre 55 et 57 par certains régiments qui les avaient connues en Indochine, que dans le bled où on les employait, dans le massif de l'Edoug ou dans le reste, etc. C'est la première fois que dans une situation aussi claire et face à l'opinion, n'est-ce pas, ce procédé a été déclaré sous ma responsabilité comme un procédé nécessaire. C'est un simple procédé policier, d'ailleurs, qui est, je crois, employé par toutes les polices du monde. Malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autrement. Si on trouve un procédé pour différent, pour obtenir dans certains cas ce qu'il est indispensable d'obtenir pour éviter des drames 100 fois plus atroces, moi je demande, j'aurais bien voulu qu'on me l'apprenne. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je crois qu'il n'existe pas. Vous dites dans votre livre, à propos de la torture ou de la question par force, alors pratiquement, si pour faire cracher le morceau, il fallait que ça cogne un peu, les questionneurs étaient conduits à faire subir aux prévenus des douleurs physiques dont la violence était graduée pour aboutir à l'aveu. Certes, il y avait des risques, des accidents se sont produits, mais ce n'était tout de même qu'une pression physique, même violente, utilisée pour le renseignement immédiat et ne dégradant pas l'individu. Alors moi, c'est ça qui me gêne. Est-ce que vraiment, vous avez l'impression... Est-ce que vous aviez à ce moment-là, est-ce que vous l'avez aujourd'hui, l'impression que la torture, ça ne dégrade pas l'individu? Non, il y a une certaine torture. La torture telle que j'ai autorisé qu'elle soit pratiquée à Alger ne dégrade pas l'individu. La preuve d'ailleurs, c'est que M. Henri Allègue, l'ancien journaliste de l'Ouest d'Alger républicain, qui a passé entre les mains de vos parachutistes et qui a raconté complaisamment sa torture de 57, eh bien, je l'ai rencontré au palais de justice en 70 à Paris, au moment du procès de Folk contre l'Express. Son dynamisme m'a paru tout à fait rassurant. Non, elle ne dégrade pas. C'est pratiquement un choc qui peut être désagréable, en effet, mais enfin, dont on se remet très bien. Elle n'a rien à voir avec la torture infligée dans les prisons viettes, qui était, elle, alors véritablement usante et désespérante, n'est-ce pas, qui aboutissait à l'anéantissement qu'on appelle l'individu. Moi, j'ai jamais, encore une fois, coupé les nez de personne sur le plan de la torture proprement dite, comme le faisait le FLN. Et puis, on n'a jamais cherché à transformer la personnalité des individus, n'est-ce pas. C'était une affaire très brève, très rapide, quoi. Et très souvent, d'ailleurs, ça se réglait, c'était une gifle ou deux, vous écoutez, dans le derrière, la fameuse torture. Alors, pas poussé, quoi. Vous êtes catholique pratiquant, je crois. Oui, parfaitement, oui. Ça ne vous a pas posé de problème, ça nous a non, pas... Non, pas du tout, je vous répète. Scrupule. Quoi? Il n'y a pas eu de scrupule à employer ce moyen-là. Mais pas du tout. D'autant plus que il n'y en avait pas d'autres. Et qu'il fallait quand même, pour un catholique pratiquant, je crois, penser au sort des malheureuses populations algéroises condamnées à se faire écrabouiller ou amputées de membres divers par... la sauvagerie FLN. En face d'une certaine sauvagerie, qu'est-ce que vous voulez faire? C'était peut-être un mal d'employer des procédés de question par force, mais comme le disait notre aumônier, entre deux mots, il faut savoir choisir le moindre. Sur le plan chrétien, moi... D'autant plus, encore une fois, qu'une torture bien amenée, encore une fois, je veux bien accepter le mot torture que je discute dans le fond. La torture bien amenée, cette question par force... est devenue dans ces guerres révolutionnaires une arme, au même titre que dans les guerres conventionnelles, l'emploi des avions bombardiers, l'emploi des armes d'infanterie classiques, fusils mitrailleurs, mitrailleuses, mortiers, et que ces armes-là, n'est-ce pas, sont beaucoup plus cruelles, beaucoup plus meurtrières que cette question par force, hein, qui, encore une fois, sauf accident très rare, heureusement,
ne présente pas pour l'individu les mêmes conséquences. Un gars qui a reçu des éclats de bombes ou des balles dans le corps est beaucoup plus touché à la suite des guerres conventionnelles, et personne ne hurle, est beaucoup plus touché que celui qui a reçu une ou deux décharges, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Vous dites sauf accident très rare. Oui. Mais vous n'ignorez pas que le secrétaire général à la police à la préfecture d'Alger à ce moment-là, Paul Tedjen, dit dans un rapport qu'il a adressé au gouverneur général que de janvier à avril 1957, il y a 4000 suspects qui ont disparu à la suite du traitement de vos parachutistes. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds ce que j'ai répondu dans mon livre, que Paul Tedjen est un homme qui, contrairement à sa vocation, qui était celle d'être un animateur de la police, puisqu'il était chargé de la police à la préfecture, s'est érigé immédiatement en censeur de l'action des parachutistes. Il aurait beaucoup mieux fait de les aider, vous comprenez? J'aurais très bien compris qu'il limitait notre action. Moi, nous n'avons pas demandé, les parachutistes et moi, à être plongés brusquement dans ce bain.